apocalypse. Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 d'activités What the Fuck. Alors avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour le retard de cette vidéo, même si ce n'est pas trop de ma faute. Mes activités faisaient freeze ma console, donc il m'était impossible de tester les activités, mais après un bon gros nettoyage de la console, tout est rentré dans l'ordre. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec la troisième activité. Alors on commence tranquillement avec une course vélo qui se déroule au parc éolien. Je remercie en passant à l'abonné qui me l'a montré, parce que vous allez voir plus ou moins au milieu de la course que le concept est vraiment bien pensé. Vous avez toute une série de containers à monter et certaines pales d'éoliennes à éviter. Mais la partie vraiment what the fuck, elle se trouve légèrement plus loin. Alors ici vous avez quelques petits containers à monter, rien de compliqué. Une première pale à éviter, rien de compliqué non plus. Mais la partie la plus compliquée pour moi, moi j'ai vraiment galéré dans cette partie ici. En fait, ce sera de vous propulser avec la pale d'éolienne et essayer de choper soit le point jaune, soit essayer de retomber comme un king, comme j'ai réussi là, je sais même pas comment j'ai fait, sur les containers. Et essayer d'éviter le reste des pales ici par exemple, où je me suis fait propulser comme un gros lait. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième activité. Ici, on se retrouve sur une course, mais une moto cette fois-ci. Et vous ne devez surtout pas aller trop vite. Ça, je l'avais dit à tout le monde. Tout le monde a sauté, la tête la première. Alors, vous aurez plein de containers, des robes, des parois, des sauts. Franchement, il y a un peu de tout. Je la trouve superbe. Franchement, elle n'est pas trop difficile, elle est à la portée de tout le monde. Vous aurez la plupart du temps des rampes et des containers tout autour du bâtiment. Vous devrez les escalader, faire des petits stuns, vous amuser quoi. Alors là j'ai voulu faire le malin. Et ben voilà, je suis le premier, ben, je me suis fait écraser. Je l'ai fait avec plusieurs groupes d'abonnés. Tout le monde a bien kiffé, tout le monde s'y est bien amusé. Donc je vous invite à aller dans la description pour y retrouver les liens. J'en profite pour vous inviter dans mon groupe Facebook Journal du Geek Officiel pour avoir plus d'informations sur les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Alors on va passer tout de suite à la première activité. On se retrouve toujours sur une course moto qui est vraiment magnifique. C'est pour cela qu'elle se retrouve en première place d'ailleurs. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y a pas mal de courses sur ces trois bâtiments aussi. Alors je vous en proposerai encore une dernière à mon avis dans la prochaine vidéo, puis je verrai bien. A vous aussi de me présenter vos propres courses what the fuck, ce qui me ferait super plaisir, et peut-être que je les présenterai si elles sont vraiment what the fuck. Ici vous avez le premier stun, et je sais pas pourquoi du comment j'arrêtais pas de me prendre le poteau comme un gros con. J'ai galéré bien pendant une minute ou deux. Mais sinon vous aurez toute une série de stunts à faire en fait pour passer de bâtiment en bâtiment. C'est pas super compliqué, mais c'est vraiment génial, il y a moyen de faire de bonnes figures et de s'y marrer vraiment correctement. C'est juste dommage qu'elle est vraiment trop courte la course. Sinon on va passer tout de suite à l'activité bonus. On se retrouve encore sur une course moto, ce sera la semaine de la moto. Elle est vraiment magnifique et en plus de ça c'est un abonné qui me l'a faite, donc franchement GG à toi. Vous devrez faire des stuns de malade pour passer de bâtiment en bâtiment, mais attention au début de la course ça sert à rien d'aller trop vite. Comme vous avez vu, je me suis direct explosé la tronche. Avec les abonnés on a vraiment bien kiffé cette course-ci, même pour les stuns de ouf, les trucs de ouf, j'ai tout de ouf. Je vous promets, tout le monde va pas la réussir et il y en a certains qui auront rage quit, ce qui m'a vraiment bien fait rire. Voilà, j'espère que ces 4 activités vous auront plu. Je vous rappelle que vous pouvez intégrer le groupe sans problème. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort.